Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est chez Method Fishing, on est dans le 78, on est à Coignières et là on est vraiment chez les spécialistes du carpodrome et du feeder et même de la carpe bientôt dans les futurs mois à venir. Donc je vous invite, on va aller voir Aurélien et Adrien au magasin, ils vont tout nous expliquer et surtout partagez la vidéo, mettez un commentaire car Aurélien a décidé de nous faire gagner deux petits lots super sympas. Allez, je vous invite à aller les voir tout de suite. Bonjour Aurélien. Salut Samuel, bienvenue dans mon magasin Method Fishing. Donc on est un magasin en région parisienne, on est dans le 78, dans le sud, on n'est pas très loin du 28. Donc à la base on est un site internet, on fait que de la vente sur internet. Et puis là depuis on va dire une bonne année, on fait de la vente en plus en magasin, en vente physique. On reçoit les gens, ça permet aux gens de voir un petit peu ce qu'il y a, d'en profiter pour ceux qui habitent dans le coin ou qui sont de passage ou qui veulent faire le déplacement. Donc ce magasin-là, on a déménagé ici au mois d'août. Donc c'est un magasin qui fait un petit peu plus de 500 mètres carrés. On a gardé grosso modo 400 mètres carrés pour la vente, pour la surface de vente. Et puis on a une partie derrière pour la logistique qui est obligatoire pour expédier sur internet pour les... Tout ce qui est carton, tous les emballages, parce que ça fait partie la partie la plus importante, on va dire, pour les expéditions sur Internet. D'accord. Et est-ce que tu peux nous donner l'adresse exacte? Alors, bien sûr, c'est rue du Pont-des-Landes, à Coignières, donc dans le 78. Et on est ouvert du mardi au samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30. Sauf en ce moment, avec le couvre-feu, on ferme à 17h30. Mais sinon, on est là le lundi. Le magasin est fermé au public, puisque le lundi, on a beaucoup de travail avec les commandes du week-end. Donc, on est fermé au public, mais on est là, on bosse, quoi. Et du coup, tu peux nous rappeler aussi ton site internet? Ouais, bien sûr, c'est www.methodfishing.com. Method, M-E-T-H-O-D. Super. Alors, voilà. Je t'invite, ce qu'on va faire, c'est que je t'invite à faire un petit tour. Tu vas présenter le magasin et on va faire ce qu'on fait habituellement. J'ai fait le choix de présenter, de faire un peu des corners par marque dans la mesure du possible. Alors, on ne peut pas tout mettre parce que pour les cannes, c'est mieux d'avoir un seul présentoir à cannes, etc. Sinon, il faudra une surface beaucoup plus grande. Puis en région parisienne, ça reste quand même assez difficile déjà d'avoir des grandes surfaces. Donc j'ai fait le choix de mettre des petits coins. Donc là, par exemple, ici, on a Colmy, c'est une marque avec laquelle on travaille depuis la rentrée, à peu près. Donc ça fait à peu près un peu plus de 3 mois. Quand je commence une marque, j'aime bien commencer toujours par le petit matériel. C'est le consommable, ce qu'on utilise le plus. Après, on rentre au fur et à mesure, tout ce qui est bagagerie, les cannes, les stations. Même si on essaie toujours d'en prendre un petit peu quand même. Mais voilà, au début, toujours le petit matériel. Donc voilà, là, j'ai Colmic. Après, donc là, on va aménager. D'ici quelques jours, il y aura un grand rayon où il n'y aura que des vêtements au milieu. On va retrouver tout ce qui est t-shirt, les polos, toutes ces choses-là. Puisque maintenant, chaque marque a sa gamme de vêtements. Et puis derrière, donc forcément, il y aura tout ce qui est tête d'épuisette, on les mettra sur un autre rayon. Là, j'ai la même chose avec Matrix. Matrix, ça, c'est une marque qu'on utilise, qu'on vend depuis très longtemps, depuis plus d'un an, même quasiment, peut-être même 2 ans bientôt. Ça, c'est une marque que les gens adorent. Il y en a assez peu de gens qui vendent ça en région parisienne. Donc voilà, c'est une marque qui cartonne. Il y a un très très bon rapport qualité-prix. Et voilà, c'est une marque, ça. On a tout le catalogue.
Voilà. Okay. Là, quasiment. Il doit y avoir peut-être 2-3 stations, peut-être en 25, mais voilà, sur le reste, les cannes, tout ça, tout est en stock, tout est référencé. Enfin, on essaye en tout cas, il y a des ruptures malheureusement, mais. De toute façon, tout si est référencé. Pas référencé, tu peux commander sans problème. On peut commander. Par contre, on a toujours un principe sur le site, c'est que je ne vends que des produits en stock. Même les gens, quand je commande un produit, ils ne payent que quand il est arrivé. Parce qu'on peut avoir différents problèmes. Le fournisseur pourra avoir une erreur de stock. J'ai toujours ce principe-là, c'est vous n'achetez que des produits qui sont en stock. Comme ça, vous n'avez pas de surprise. Voilà. C'est, okay. C'est ce que je m'impose à moi comme règle. Et je pense que les clients apprécient cette façon de faire. Prendre à Preston. Preston, ça a été la deuxième marque qu'on a rentrée sur le site. C'est une grosse marque. Ils ont une grosse gamme. Pareil, on a essayé de rentrer tout le catalogue. Il reste quelques petites références par-ci, par-là. Qui plus d'ailleurs sur les packs. Mais sinon sur le petit matériel, on va dire du matériel moyen, voilà, on a vraiment tout. Après il y a la marque Guru, hein, une marque pareille. Hein, là par contre là, je pense que je dois avoir vraiment tout le catalogue complet, hein, toutes les références. On essaie d'avoir beaucoup de stock. Hein, c'est l'avantage, hein, de lier la vente sur internet avec la vente en magasin. C'est qu'on, bah du coup, on est un petit peu sur les deux tableaux. C'est ce qui nous a permis aussi de tirer notre épingle du jeu pendant le confinement, enfin pendant les deux d'ailleurs qu'il y a eu. Donc voilà, ça oblige à avoir toujours du stock, et on essaye au maximum d'éviter les ruptures. C'est notre bête noire. On essaye. Donc voilà, après, bon, on est encore en train d'aménager, hein, puisque on attend encore des gondoles. Donc là, j'ai du Kamazan, j'ai un petit peu de Garbolino, un petit peu de Daiwa. Après, bah, du coup, je passe sur une marque que j'aime bien aussi, moi, à titre personnel, pour différentes raisons. Et puis, c'est surtout la première marque qu'on a rentrée sur le site. C'est la marque Rive. J'avais fait le choix française. Marque française, ouais, exactement. Et puis c'est, on va dire, une marque historique dans notre magasin, Method Fishing, parce que c'est la première marque qu'on a rentrée sur le site. J'avais fait le choix de rentrer que cette marque-là dès le départ. Pendant, ça a duré un certain temps quand même, peut-être pas loin de 6 mois, avant de rentrer d'autres marques. Et voilà, d'être spécialisé sur la marque Rive. Au jour d'aujourd'hui, je pense que je dois avoir aussi tout le catalogue. Hein. Il doit peut-être y avoir une petite référence par-ci, par-là qu'on ne doit pas avoir. Mais voilà, c'est une marque phare, on va dire, sur notre site, même sur des petites pièces détachées, on le verra après. On essaie vraiment d'être très, très, très complet et essayer au maximum d'éviter les ruptures. Mais ça, c'est pas, encore une fois, c'est pas toujours simple. Donc après, on passe ici sur cette partie-là. Alors, c'est quelque chose pareil qu'on est encore en train d'aménager. C'était pas voulu dès le départ. À la base, on était censé faire que de la pêche au cou, de la pêche au feeder. Et puis, les choses ont fait qu'on a commencé à vendre. Enfin, on a eu de la demande sur la pêche à la carpe en batterie. Donc, voilà, ça n'apparaît pas sur le site internet. Donc, voilà, on a rentré Corda, la gamme Corda. On a la gamme Fox là-bas. On a un petit peu David Carpe. On a ESP qui va arriver. Donc, comme je disais, c'est une petite info. D'ailleurs, on ne sait pas encore sur le site internet. Ça ne l'est pas. Ça va bientôt apparaître. On est en train de travailler dessus. Ça va être quelque chose de un petit peu technique à mettre en place, puisque ce qu'on veut, c'est que les deux espaces ne se mélangent pas. C'est-à-dire que sur la barre de recherche, quand vous allez taper hameçon, si vous pêchez au cou, on va vous proposer que des hameçons pour la pêche au cou. Si vous pêchez la carpe et que vous tapez hameçon, on va vous présenter que les hameçons pour la carpe en batterie. D'accord. Etc. Pour que ce même pour les plombs, pour autre chose, ça va être deux espaces différents. Les choses ne seront pas mélangées et chacun aura son espace. Parce que même s'il y a des points communs, notamment la pêche aux méthodes feeder qui a rejoint un petit peu la pêche au cou et la pêche en batterie, qui fait un peu la jonction entre les deux, ça reste quand même deux univers différents. Et pour pas surcharger les catégories, les sous-catégories sur le site, d'accord, on est en train de travailler sur cette partie-là. Après, bah là, on a la marque Drenan, hein, une marque classique avec laquelle on travaille depuis un an. Hein. On a commencé en janvier 2020, donc ça fait un an. Pareil, là, toute la gamme, on a toutes les références. Là, ça, c'est le petit matériel. En bagagerie, bon, là, ils sont en train de changer, Drenan est en train de changer leur bagagerie, donc il n'y a plus rien, il y a des ruptures, c'est normal, puisqu'ils ne vont pas renouveler la gamme existante. Il y aura quelque chose de nouveau qui devrait sortir avril-mai. Et pareil, là, on attend peut-être aujourd'hui ou demain, pour une première en France, les Kanoku Drenan qui vont être distribués. Il y a une petite particularité à savoir, j'en profite justement pour le rappeler, c'est que par rapport au SAV, c'est des cannes qui sont testées chez Drenan, comme les cannes feeder. Hein. Les cannes feeder sont fouettées, alors, je crois, c'est 8-10 fois.
Je pars du principe que s'il n'y a pas eu de soucis, c'est que la canne est bonne. Donc en fait, il n'y a pas de SAV, il n'y a pas de garantie, sauf casse qu'ils n'auraient pas vu. Mais voilà, ça reste. Le matériel est testé un par un. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut. Exactement, c'est quelque chose qu'il faut savoir, qu'on va bien mettre en avant sur notre site et en magasin pour qu'il n'y ait pas de. Il n'y a pas de malentendu, voilà. Mais voilà, en tout cas, les cannes sont connues, elles n'étaient pas distribuées en France encore, et voilà, les cannes acolytes arrivent au fur et à mesure. Enfin, elles devraient arriver très bientôt. Voilà, donc là, ça, c'est le reste de la partie pêche en batterie. Après, on a la marque Fun Fishing, hein, pareil, une marque française. Ils ont un catalogue sympa. C'est dommage, ils n'ont pas fait beaucoup de nouveautés cette année, mais il y a beaucoup de demandes. Preuve en est, on a pas mal de ruptures sur certaines références. C'est une marque française, j'aime bien travailler avec les marques françaises. J'ai voulu avoir cette marque-là. Pareil, on essaie d'avoir une gamme assez grande. Alors, on n'a pas toutes les références, qui ne font pas que de la pêche au cou, mais sur ce qui est la pêche au cou, pêche carpodrome, voilà, on est bien, on a tout ce qu'il faut. Après, une marque qui marche beaucoup en ce moment, ça c'est Cresta. Cresta qui est une marque hollandaise. Très bon rapport qualité-prix, hein, ça appartient à Espro. Espro, c'est une marque japonaise, donc c'est eux les fabricants. Donc ils arrivent à avoir une bonne qualité, un bon rapport qualité-prix sur le petit matériel, parce que c'est eux qui fabriquent. Preuve en est, les ciseaux qu'ils vendent là, pour couper le nylon et la tresse, qui est à 4,99. Il est magnifique, je l'ai utilisé il y a quelques jours. Hein, on m'avait demandé de monter de la tresse sur des bobines pour un client. Je n'avais pas de ciseaux, j'ai dit, tiens, il était sur le comptoir, je l'utilise. Oh, ça coupe, magnifique, c'est 4,99. Je pense qu'il n'y a personne qui a fait qui a fait un ciseau à ce prix-là. Donc voilà, après avec la gamme Gamakatsu, hein, pour les hameçons qui sont connus par certains, mais pas forcément par tout le monde d'ailleurs, hein, parce qu'il faut savoir que Gamakatsu fabrique pour d'autres marques, je ne veux pas les citer, mais et souvent c'est les mêmes références, hein, notamment le G1-102 qui est repris par d'autres marques. Donc il faut savoir que voilà, ça permet d'avoir, ils ont un très bon rapport qualité-prix, forcément c'est une référence. Tout le monde ne le sait pas, des fois les gens disent ouais, je veux telle référence sur telle marque. Bon, si c'est une marque qu'on ne fait pas, je leur dis bah voilà, vous avez Gamakatsu et c'est exactement le même puisque c'est même les fabricants. Donc voilà. Donc ça c'est le rayon carpe qu'on est en train de finir d'aménager pour la partie Fox. On est ça c'est une marque pareil qu'on trouve assez peu en région parisienne. Donc on est en train de développer ça. Là on est sur les packs, les manches d'épuisette, les kits. Bon là il n'y a pas tout, on essaye d'exposer un petit peu. On va retravailler d'ailleurs sur le meuble de présentation là dans les semaines qui viennent. On va attendre encore un petit peu, c'est pas la priorité là. Mais voilà, on a. Ça c'est juste la partie présentation. Après derrière on a encore pas mal de stock. On essaie d'avoir des packs, notamment chez Rive, là on a quasiment tous les packs. On a du Matrix, on a du Colmic, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que c'est à peu près tout, si je dis pas de bêtises. Donc ça c'est la partie plutôt canoku, là-bas avec les manches d'épuisette. Puis après derrière on a les cannes feeder et quelques cannes anglaises, hein, parce que mine de rien, la pêche anglaise avait diminué, la pêche au pellet waggler a ramené quand même un petit peu a ramené de l'intérêt en fait pour cette pêche-là. Et donc et puis on trouve toujours des aficionados de la pêche à l'anglaise qui aiment pêcher avec petit waggler light. Donc on a la gamme d'ailleurs Drenan qui plaît beaucoup. Et donc voilà, ça c'est après là on a un petit peu de bagagerie sur cette partie-là. Là on a les stations, les sièges qu'on présente, qu'on vend. Pareil, on essaie d'avoir un petit peu de tout, Matrix, Preston et Rive. Et puis bon, maintenant il y a Guru aussi, hein, qui vend ces stations fabriquées par Rive. Donc voilà, il y a les stations en ce moment, c'est il y a des hauts, il y a des bas dans les stocks, hein, pour chez toutes les marques. Donc voilà, on trouve les modèles principaux. Après sur la partie amorce, bah là, justement il y a quelque chose de très nouveau, hein, qu'on vient de mettre sur le site, qui est Sensas. C'est une marque, il y a beaucoup de gens qui se posaient la question pourquoi est-ce qu'on ne faisait pas Sensas. Bon, ça s'est fait, enfin ça s'est pas fait plutôt, c'est plutôt ça. Ça s'est pas fait avant, ça se fait maintenant. Donc là voilà, c'est une marque qu'on a rentrée, on a commencé sur les farines. Là on a le petit matériel, il n'est pas encore en ligne sur le site, on est en train de le mettre au fur et à mesure, parce que là on prépare la porte ouverte de ce week-end en priorité. Donc voilà, les farines sans ça. Après on a toute la gamme d'amorces aussi de chez Rive. Enfin, comme je disais, bah, Fun Fishing, la marque française, hein, qu'on a cherché à travailler bien, à développer avec une gamme assez complète, hein, que ce soit les pellets,
Les pellets d'amorçage, les pellets pour mettre à l'hameçon, les aminos, les pâtes, toutes ces choses-là. Voilà, on essaye d'avoir une gamme assez large. Après, on a la partie Ringers. J'adore ces produits. Ringers sont, ouais, c'est top. Après, là, avec le Brexit et avec les nouvelles normes européennes, Ah, c'est plus compliqué, hein. ça va être très compliqué. Là, maintenant, il va falloir des codes-barres, va falloir les listes d'ingrédients, toutes ces choses-là. J'espère que ça va pouvoir continuer, qu'ils vont se faire violence au début. Ça va être forcément beaucoup de travail et peut-être un investissement pour eux aussi pour se mettre aux normes. Mais enfin aux normes. Ils sont aux normes, mais disons qu'au niveau de l'étiquetage, en fait, c'est pas. Ouais. Il faut que ce soit beaucoup plus complet. Donc voilà. Après, il y avait la marque Spotted Fin, c'est une marque anglaise. A priori, on était les seuls à la commercialiser en France. C'est une marque qui est plutôt qui fait des produits vraiment de qualité, plutôt haut de gamme, qui sponsorise Jamie Hughes, celui qui a gagné 4 ou 5 fois le Fishomania, je me souviens plus. D'accord. Voilà, c'est un monstre. Il y a Ouais. mon pote aussi anglais, Simon Willsmore, qui développe aussi les amorces. Voilà. Bah, bon, après, malheureusement, c'est une marque, il n'y a pas trop de communication en français. C'est dommage. Mais ça reste des produits vraiment de très bonne qualité. Et surtout, ce qui plaît beaucoup, c'est les petits wafters. Ils ont une gamme incroyable, la qualité vraiment top. Les parfums, ça marche super bien. Ça, la partie des wafters est vraiment géniale. Après, il y a la marque Sonu Bates. Sony Bates, la marque d'appât de Preston, ça c'est très grosse gamme, très grosse vente, il y a beaucoup de demandes. Ça pêche très très bien, en plus ils font la communication qu'il faut, donc on est vraiment sur des produits de qualité. Il y a une gamme très complète. Bon, il y a des fois certaines personnes qui s'y perdent un petit peu, mais en fait il faut toujours rester très simple, hein. Faut pas chercher à mélanger, souvent quand on ne sait pas, on part sur un produit, pas besoin de mélanger Et des trop bons de choses. expandeurs, des Hein. bons expandeurs. Ouais, exactement. Il y a de très très bons expandeurs qui sont très connus. Ils font du 2, 4, 6 et 8 mm. Ça, c'est. Voilà. Et maintenant, ils ont d'ailleurs même la gamme d'expandeurs qui est tout prêt, qui Ouais, marche très très bien. là Ils j'ai sont connu, bien huileux. très sympa. Ils sont bien huileux, Puis bon ça rapport diffuse qualité bien. pour le Le coup. rapport qualité-prix aussi. Puis voilà, au moins, ça c'est qu'une boîte qui s'ouvre et qui se referme facilement. On ne les perd pas, ça se garde très longtemps. D'ailleurs, on voit même sur la DLC, je pense qu'ils doivent mettre 2 ans de DLC. Donc, il faut le savoir, voilà, ça bouge pas, c'est très très bien, ça permet de ne pas se prendre la tête. D'être sûr de les réussir aussi, hein, parce que Bien sûr. bah, d'ailleurs, ça me fait penser à Spotted Fin, hein, qui vend des pellets qui sont tout préparés. Moi, quand j'ai des gens qui viennent en magasin qui débutent sur la pêche aux méthodes feeder, parce que ça reste une pêche avec laquelle on peut débuter avec assez peu d'argent d'ailleurs, hein, parce qu'une petite canne, un petit support. Petite épuisette et voilà, ça pêche tout de suite. C'est pas comme la pêche au cou, des fois faut quand même le rouleau, faut quand même tout un tas de choses. La pêche aux méthodes feeder reste une pêche assez simple. Au niveau du montage, ça reste très simple, hein. C'est une petite boucle avec un méthode, tac, on met son bad link et déjà qu'on achète tout prêt. Ça pêche bien, c'est facile. Donc les gens, une des particularités pour que ça réussisse, pour que ça fonctionne, c'est vraiment que les pellets soient bien mouillés. Quand c'est trop mouillé, ça colle aux méthodes, ça pêche pas, ça libère pas l'appât. Et quand c'est pas suffisamment mouillé, bah, quand tu lances, tu prends tout sur la tête. Alors que l'avantage de chez Spotted Fin, c'est les pellets qu'ils avaient tout préparé. Le seau, j'en ai un que j'utilise pour les démonstrations. Ça fait 1 an et demi que je l'ai. Les pellets, ils sont pas moisis, ils sont parfaits. Ça tient bien et on est sûr de pêcher correctement, que les pellets soient bien mouillés. Ça, c'est vraiment top. Et après, bah, donc, la partie mainline. Partie mainline, pareil, hein, il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Alors, ils ont une petite gamme, on va dire match, hein, comparé à la gamme plutôt carpiste, même si les deux univers se mélangent parfaitement. Il y a la gamme, on a les goûts, et après, voilà, on a les bouillettes là, pour la partie carpe en batterie. D'ailleurs, il y aura Star Baits, et puis on va développer aussi d'ailleurs Fun Fishing pour les bouillettes, puisque toujours dans l'optique de travailler avec les marques Produits françaises français. et qui fabriquent en France, et voilà, D'ailleurs, ça reste mainline, important. il y a les jambons. Les jambons, exactement. Ouais. Bah, là, on a pris toute la gamme, hein, pour la partie match, hein, que ce soit les jambons, les petits dumbbells, les pellets, les farines. Voilà. Et puis l'avantage, c'est que les deux univers se mélangent. On trouve des petites pop-up en 12 mm. 12 mm, c'est pour la pêche aux méthodes feeder, c'est bien quand on pêche sur des plans d'eau, d'ailleurs, même avec des poissons à partir de 5 kg, comme ça passe très très bien, sans qu'il y ait des très très grosses carpes. Donc voilà, on travaille vraiment cette partie-là très très bien. Là, on fait des appâts un petit peu surgelés aussi, là, parce que tous les femmes n'aiment pas forcément qu'on ramène les asticots congelés dans le congélateur ou dans le frigo. Donc voilà, on a même un petit peu de fouillis, un petit peu d'èche, donc c'est toujours bien pour dépanner. Après, là, on a une partie qui est très importante chez nous, c'est les flotteurs.
Les flotteurs, faut savoir une chose, c'est que bah, on en a énormément en stock. On a tous les rives, on a tous les garbots, on a tous les drennans, on a tous les fun fishing, on a tous les gourous, on a tous les Preston. Voilà, on essaye d'être complet, ça fait beaucoup de boîtes, beaucoup de références. Je pense qu'en nombre de flotteurs, on doit bien dépasser facilement les 20 000. D'accord. C'est notre c'est un produit phare, entre guillemets, dans le sens où on en vend beaucoup, on en reçoit beaucoup, c'est beaucoup de travail. Mais voilà, c'est pêche au cou, on est spécialisé quand même aussi à la base quand même, plutôt dans la pêche au cou, donc on en a beaucoup. Et après la deuxième partie, ce que je disais, qui est, comme le panneau l'indique, c'est la partie des pièces détachées. Donc les pièces détachées, bah, on est surtout rive, parce que les stations rive sont très connues, ça fait des années qu'ils en vendent, donc on a un petit peu des choses un petit peu introuvables. Les dernières pièces, quand il y a quelque chose qui casse, ça permet aux gens de pouvoir changer et de pas attendre. Et surtout, c'est en stock, on n'attend pas trop longtemps pour avoir sa pièce détachée. Après, voilà, on commence aussi un petit peu plus Matrix, Preston, pour les stations. Et ah, pareil, à côté, il y a les Sion Feeder, on essaye de... Voilà, à chaque fois quand on propose des cannes feeder sur toutes les gammes, à chaque fois on prend les sions avec. On essaie de prendre toutes les puissances pour que bah voilà, quand il y a un accident, quand il y a un sion qui casse, on soit à même de pouvoir dépanner les gens avec leurs sions. Voilà, puis après bon, là on a une partie avec tous les feeders, dans le comptoir. Là, bon là, on ne l'a pas laissé en libre service. C'est une partie, c'est un petit peu comme les flotteurs. Il faut qu'on soit sûr, comme on vend beaucoup sur Internet, quand on prépare les commandes, il faut qu'on pour limiter les erreurs, pour être sûr que quand on met sa main dans une boîte, bah, il n'y ait pas un autre flotteur qui a été mélangé ou quoi que ce soit, sans que ce soit intentionnel par un client. Mais voilà, au moins, et puis ça permet de les protéger quand vous recevez vos flotteurs. D'ailleurs, petite particularité, c'est que tous les flotteurs sont livrés dans les petites boîtes comme ça en plastique. C'est les boîtes avec lesquelles on range nos flotteurs. Chaque commande, vous pouvez commander un flotteur, vous pouvez en commander 200. Vous serez toujours livré dans une petite boîte en plastique, elle-même forcément emballée dans un carton, pour que ce soit doublement protégé et comme ça que le flotteur soit intact. Bon bah écoute, on va faire la conclusion. Je te remercie encore d'avoir fait le tour du magasin et de nous avoir vraiment bien expliqué pour chaque marque. Est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse, le Bien site sûr. internet et puis nous expliquer un petit peu si par exemple demain je passe une commande, le temps de livraison, etc. Et puis après Écoute, bien j'espère que sûr, tous les gens vont partager la avec vidéo un plaisir. maximum. Merci encore à toi d'être venu, de nous avoir d'avoir présenté le magasin. Bah, donc on est à rue du Pont-des-Landes, hein, dans le 78, à Coignières précisément. On est ouvert donc du mardi au vendredi, du mardi au samedi pardon, au public. On a le site internet, hein, donc www.methodfishing.com. Donc là, les expéditions se font tous les jours, hein, du lundi au vendredi. En général, on s'attache à expédier tous les colis en 24 heures à partir de la commande, pareil dans les jours ouvrés. Généralement, les livraisons, on va dire 60% sont en 24 heures. On en a 35%, 48%, et puis après, il y en a quelques-uns qui peuvent mettre une journée de plus, des fois en fonction de la distance. Pareil pour l'étranger, généralement c'est 48, 72 heures. Donc voilà, j'espère que n'avoir rien oublié. Ouais. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, et puis bah, je vous invite à visiter le site internet, de venir au magasin également. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Merci.